on va aller vers l'adversaire pour en faire la technique après. Donc, je vous propose deux choses, pour le débutant et pour le confirmé. Le débutant, on va faire un overhand droite, donc un coup du haut, bien à droite, avec un double pas. C'est bien. En défense, il va faire exactement la même chose. Coup du haut qui vient à droite, avec un pas qui sort de la ligne, c'est-à-dire un double pas également. Et on se trouve une égalité. Donc ça, c'est pour le débutant. Pour le confirmer, le début c'est pareil, il y a un reste sur la ligne. Mais fais ton masque. Ensuite, quand tu vas faire un peu à repousser vers la gauche, tu vas venir faire. Moi j'y vais, il faut être doucement. Non, c'est ok. Doucement. Correct. Et la troisième, on fait pareil, je vais gâcher sur le côté. Et pour tous les deux techniques, on a à la fin pareil. C'est-à-dire on est ici, on est juste, et là pointe, elle est juste à gauche. Merci. Moi je sors de la ligne ici. Ça nous permet de faire l'apnée même. C'est-à-dire partir avec le ballon, il ressort juste de l'autre côté. Et bien sûr, la fin. Donc, mettez-vous d'accord, qui va faire la technique? Donc, pour savoir si la pointe est là, donc là c'est moi qui le fais. Et si la pointe est là, donc c'est là qui va faire. Merci. Sur le glossaire, c'est une attaque du gauche. Par contre, je suis obligé de le faire à droite. Donc, on va le faire à droite tranquillement. Maintenant, quand elle va tout de suite à l'arme, on va le faire, elle va sur le côté. Très bien là. Alors, sur le glossaire, c'est écrit frappe la main. Sur le dessin, lequel est avec l'écrit, on ne voit que la lame frappe la lame. On peut faire beaucoup de jeux, lui va faire la lame. C'est agréable quand même. On fait la même chose, on fait le combat total. Là, il faut finir. C'est d'abord que vous avez plein de possibilités. Soit vous revenez directement, vous pouvez tourner pour faire la restauration, vous tourner pour frapper directement, car vous ne pouvez pas vous faire la C'est demain. Une autre technique, c'est sur la même base, il se trouve au milieu. Ok, cette fois, elle est beaucoup plus rapide que les dernières fois. Et là, quand elle va monter, je vais le suivre. Okay. Je vais basculer sur le pied vers l'arrière. Et puis, on va derrière.
Vos casques, monsieur, vos casques. Donc c'est vraiment, c'est un réflexe. C'est un réflexe, il faut dès le moment où il part, il faut suivre. Et elle se trouve dans cette position, il chill out. Il est au milieu. Je bloque sa lame et derrière, il faut tout de suite dans le milieu. Vous connaissez les médecins qui vous disent de prendre votre main. Ah, monsieur, venez, venez, venez.
c'est ça. C'est très chiant, mais c'est exactement ce que je veux dire. Donc, c'est là. Lucas, final du soir. Ok, pas mal. Je recule. Je vais crocheter avec mon poumon sur son fusil, entre ses deux mains. Et je vais ramener ici. Encore une fois. Il arrive. Oh, Lucas, regardez. Il est là. Encore une fois, que ça vient réflexe dès le moment où le pouce, l'épée vers vous, c'est pas la peine de rester là, si vous restez là, vous faites submerger. Il faut que ça tombe directement. Il arrive. Wow. Ok, j'ai déjà crocheté. Je pousse l'âme sur le nuque et c'est terminé. Dernière fois, après c'est vous. Wow. Comme tout à l'heure, sous son milieu. On a vu que c'est déjà la scène dernière. On peut allonger, lâcher et virer le coup. On a vu il y a très peu de temps. Donc, on est méchant, on fait ça. Il va vers moi, il lâche mes mains, il passe. On va arriver là. Son but, c'est ça. Et la défense, une défense de Kepa, moi je peux faire. Les mains au sol. Dès le moment où je fais du vol, moi je vais pousser les poignets. D'accord. On est là, je pousse les poignets. Là ça fait mal, je vais descendre en bas du poignet. C'est bon, c'est coupé, c'est coupé, ils sont coupés. Je vais passer derrière, je vais prendre ma propre lame et je vais ramener vers ici. Alors, ça a l'air très ridicule, mais c'est historique. Il y a les mages, les mages, il est comme ça. Il est en dessous, il attrape l'épée, on va faire exactement. Donc, on se retrouve encore au milieu. Et il vient, il veut tourner. Là, je prends son poignet. Je fais revenir sur le côté. Je passe derrière, j'attrape, je ramène. C'est vrai, c'est un peu plus de salon, quand même. Dernière fois. On est là. Ok, je pousse. Je suis derrière, je prends. Et je ramène. Vous êtes sûr que c'est vraiment très inconfortable. Là, tu dois aussi. Ouais. Pour des gens qui ont du mal, avec les premiers mouvements. Ça va mettre le poignet, puis ça déséquilibre vraiment. Ouais. Bossez déjà les premiers moments, ça veut dire. Tu vois, passe au-dessus là. Avec la lame, je prends de l'extérieur et je pousse sur le poignet. Ça fait très mal, c'est très efficace. Là, le but, c'est qu'on va faire qu'on a attaqué avec nos barres de droite. Donc là, on va commencer, on va faire avec nos barres de gauche. On va se trouver pareil au milieu. Comme tout à l'heure, on va aller là avant. Vraiment, on va appuyer très très fort. Tout droit, pas trop bas. Pas trop bas. Donc il fait une pression parce qu'il veut me submerger, donc il fait une pression. Maintenant ce qui se passe, avec un peu de chance, quand je lâche la pression à gauche, il va partir vers la gauche. Je pars vers la cible, d'accord ? On est là, il vient vers moi. Je vais lâcher, tomber ma pointe vers la gauche. D'accord ? Et là moi. Il pousse, je laisse tomber. Il va vers là. Ma main gauche, je vais passer par ici. Par là. Je reviens avec ma lame. J'ai attrapé ça. Dans le traité, c'est marqué on peut stocker le ventre ou la poitrine. Donc quand je suis là, c'est le ventre. Je peux aussi monter un peu plus haut et prendre la poitrine. Tu montes le pied, tu l'attrapes, tu te stoppes.